Good morning, Aleid, en les sucres aujourd'hui, les Loïni, Shmat, Richard, Ben Fortune, Mazal, Koulou, Israël, Ben Fortune, Mazal, et Dani Myriam, Bat, Elisa, Sayak. Si vous souhaitez, vous aussi d'aider une prochaine étude de Misha, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Souka, Perek Bet, Mishnatet. Kol Shiv'at Hayamim, Adam, Osei, Soukato, Keva, Ubeto, Arai. Yarduk Shamim, Mehematai, Mutar, Lefanot, Mishet, Israël, Hamikpa. Mashlou, Mashal, Lema, Davar, Nome, Levet, Shevalim, Zog, Kos, Lerabo, Veshafachlo, Kiton, Alpanav. La Mishnah m'enseigne que Kol Shivat Hayamim, durant les 7 jours, Adam Ozer Sukato Keva, un homme doit faire sa soukha comme son lieu de résidence essentiel. Ozer Sukato, il fait sa soukha un Keva, fixe, essentiel, ou Beto Arai à sa maison provisoire. Ça implique toutes sortes de choses, de conduite, ça implique surtout quelque chose qu'on ne fait pas tous très bien. Moi personnellement, matériellement, c'est trop compliqué à réaliser techniquement, quoi. Mais il rapporte le Barthénois, les plus beaux ustensiles les apporter dans la souka. Bon, ça, on essaie de le faire. Mais ça implique aussi votre beau fauteuil, vous le mettez dans la souka, le maximum de choses. Si vous avez une grande souka, bien sûr, chacun avec ses moyens. Mais en théorie, en tout cas, il faut tous les plus beaux, les plus belles choses, tous les endroits où tu te sens à l'aise de rester, où ça te fait plaisir, c'est comme ça que tu marques l'importance. Tu dois les apporter dans la souka et les mettre dedans. D'accord? Tous les plus beaux ustensiles, les beaux lits. Et voilà. En plus du fait de rester au maximum de temps, plus tu resteras, mieux ce sera, même si c'est... D'accord. Yardou Geshamim. Il y a une marloquette dans les poskim. Quand j'ai revu ça cette année, il y avait un shooter de Tzion, qui parlait de ça justement. Qui disait qu'il y a certains poskim qui imposent que tu n'as pas le droit de te coucher sur ton fauteuil, si tu veux te reposer, tu es obligé de partir. Même moment, tu veux lire un livre sur ton fauteuil, il y en a qui interdisent. Il rapporte sur ça qu'il n'y a pas, on ne transgresse pas d'interdit si on le fait, mais si on rentre dans ce cas, on accomplira malgré tout une mitzvah. Dans ce cas-là, on peut rentrer ça aussi dans l'instruction de Mishnah, qui m'a dit que tu fais de ta souka le lieu essentiel où chaque fois que tu veux te détendre un petit peu, tu t'allonges et tu restes dedans au maximum. D'accord? Yardouk Shamim. Si il y a eu de la pluie qui tombe, mais Matay Motar Lefanot, depuis quel moment devra-t-il sortir? Depuis quand pourra-t-il sortir? C'est-à-dire, tu prévoyais de manger et puis il pleut. Quelle quantité de pluie? Un petit crachin, quelque chose de plus fort, quelle quantité de pluie? La Mishnah me donne une limite, Mishet Yisra Hamikpa. Depuis le moment où le mikpa, c'est une sorte de plat qui va devenir saroir, qui va devenir écœurant. Soit, c'est un plat en fait, un plat qui est ni une soupe liquide, parce que dans ce cas-là, si c'est une soupe liquide, c'est pas très grave, s'il y a du liquide qui va tomber dedans, mais ni quelque chose de dur, franchement, mais quelque chose qui est, parce que ce qui est dur dedans, ça, ce qui est dur, il va rester dur, donc ça va pas tellement se détériorer, mais quelque chose qui devait se manger un petit peu en sorte de purée épaisse, de soupe épaisse, que maintenant, si tu vas avoir plein d'eau dans ton assiette, ça va perdre tout le plaisir de le manger. Là, c'est une quantité que, dans ce cas-là, n'importe quelle personne quitte sa souka, et ça, on a tous la même mesure, d'accord? Ça, c'est lorsque la pluie tombe pendant qu'on mange, ou en journée. Si c'est la nuit, il y a d'autres conditions, dès que tu ne vas plus supporter d'avoir tes draps mouillés. Et voilà, ça c'était pour la première partie de la Mishnah, et la Mishnah se conclut en me disant, sache que maintenant, s'il pleut, machlou machal, ils ont rapporté une parabole sur ça, pour expliquer quel est le problème lorsqu'il pleut à Soukhot, qu'est-ce que ça signifie. Les madavardomé, à quoi ressemble la situation où Hachem te dit, viens mon fils, rentre dans la souka, et tu arrives dans la souka, et puis tu fais tomber une super pluie dans la tête. C'est triste, non? C'est exactement comme si que les Eved, les Mad avoir demain à quoi la chose ressemble, les Eved chez Balimzog Koslarabo, un esclave, serviteur, qui veut nous servir un verre à son maître, le Shafachlo Kiton Alpanav, et il lui a versé la carafe sur le visage. Qui à qui en fait c'est le maître? Je dis oui, amène-moi un verre d'eau. Merci, dans la tête. D'accord? Ça peut pas le même principe. Hachem te dit, viens, rentre dans ma souka. Tac, prends un baril d'eau dans la tête. Ça signifie que, Chas v'Shalom, Hachem, il n'est pas content de nos mitzvot. Et qu'il ne veut pas qu'on le. Il veut pas nous rapprocher. Donc c'est un lieu. Il faut sortir, la Mishnah, la Gemara précise, de sortir avec le cœur lourd de la souka à part en se disant, ah, ça y est, enfin, pouvoir poser dans mon lit tranquillement, dormir devant ma télé, ou je sais pas. Non, il faut sortir avec le cœur lourd de manière triste. Après, les poskim parlent longuement, est-ce que ça a été dit aussi dans les années, comme l'année prochaine, on va avoir une année bissextile, on va se retrouver avec, il y a 2 mois de Hadar, on va se retrouver avec
le Soukhot qui va donc tomber avec un mois supplémentaire, à peu près cette même période de l'année en ce moment, à l'approche, ouais, octobre, comme ça, quoi. On va se retrouver avec Soukhot très tard. Là, les décisionnaires expliquent que dans ce cas-là, c'est plus, ça n'a plus été dit, que l'insulte. Ça parle longuement, justement, de ce sujet. Pour notre propos, c'est tout pour aujourd'hui. Prochain Perek, à partir de Perek Gimel, on va commencer à s'intéresser à la mitzvah de du Loulav et du Etrog. On a fini avec la Souka pour le moment. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, c'est là.